Bonsoir, ça doit faire très longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix. Aujourd'hui, on se trouve dans cette vidéo qui sera en collaboration avec des amis à moi que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des schlécheurs, ce ne sont pas des schlécheuses, ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils ont des comptes Instagram qui seront disponibles dans la description. Je voulais faire cette vidéo avec eux parce que comme ça me permettait d'avoir un avis extérieur à ceux de la communauté Schlèche, puisque eux ne collectionnent pas les Schlèches à part Cassidy. Je vous ai mis un code couleur pour que vous sachiez à peu près qui parle. Je vous prie d'être gentil, d'être cool avec eux. Ils ont jamais participé à une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, alors c'était la première fois. Quant à mon absence, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet maintenant. J'étais absente parce que les Schlèches ne m'intéressaient plus et voilà. Bonne vidéo. Un packaging de qualité. Normalement dedans il y a... Oh mon dieu, ça c'était la mort. Ah, on est tombé. Oui, vous êtes tombé. Comme votre avenir, à vous tous. Dedans il y a un canasson, une cavalière et un bonhomme. Et votre but c'est juste de commenter ce que vous trouvez de ça. En tant que personne qui ne collectionne pas les Schlèches, sauf qu'à Maracas. Okay. Ouais. Non mais c'est jamais centré ce que je fais, c'est incroyable. Vous verriez la caméra, il y a rien qui est centré. Est-ce qu'on nous entend là? Coucou. Oui. Salut. Depuis... Hiyo. Eh, ça va ou quoi YouTube? Alors, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va ouvrir ce truc et il y aura pas de galère de montage, parce qu'il y a pas de montage. Ok, il y a 6 paquets dans ce pack. Incroyable. Il y a 5 paquets. Dans les 5 paquets, il y a 2 personnages, un cheval, des barrières, un équipement et un truc, on sait pas à quoi ça sert. Je vais sûrement le perdre d'ici 3 bah, jours. Le seul machin que tu vas monter, c'est des barrières. Oui. Parce que tu vas galérer. Pack opening de barrières. Ok. On ouvre des verres. Oui. Bah écoute, c'est un peu le... Attendez, attendez, attendez. J'avais... On dirait les barrières. Ah non, j'ai pas d'idée. Alors sachez pour ceux qui collectionnent les Schlèches, c'est-à-dire personne dans cet appel à part Cass, les barrières ont changé. Je pensais que c'était les mêmes barrières blanches que celles que j'avais, mais en fait elles sont plus nulles. Donc on a 4 barrières avec ça, c'est incroyable, elles sont blanches. Ah tu les mêmes en marron. Bah moi je les préfère en blanc. Magnifique. C'est très blanc. Ça te marie très bien avec ton pli. Avec le mur. Ouais, trop bien. Donc ensuite on a un lot d'accessoires et dedans je sais pas trop pourquoi il y a un panier. Ah mais il y a un chat quelque part. Il doit y avoir un chat. Allez, un petit hop. Attendez, je suis ma youtubeuse. Ah, youtubeuse make-up. Oui, c'est presque pareil. On a un porte-sel. Un porte-sel. On dirait un beau. Oui, on dirait un panneau. Il est pas très beau le porte-sel, il ressemble pas à un porte-sel. Celui de la douche, il est mieux. Une coupe. Attendez, vous verrez pas, mais ça c'est un truc que Sasuke elle verra jamais dans sa vie. Parce qu'elle va perdre le contrôle. Mais en plus, vous allez dire ça c'est pour les Sasuke et pas pour les Gamou. T'inquiète, on va vous défoncer demain. On a aussi un panier chez, pour le chat. On va le mettre là. Depuis quand il y a un chat en voltige? Bah, je sais pas. Il y a des chats dans tous les packs. Attends, c'est surtout que le chat, il est pas dans ce paquet-là. Il est pas dans ce paquet-là. Il est pas dans ce paquet-là. Et il est pas avec le cheval. Il est suffoqué dans son sachet, là. Il y a pas de chat. Il est moche, on l'appelle Ron. Mais si, il doit y avoir un chat, mais moi, je l'ai pas. Il me manque le chat. Attendez, il est peut-être caché dans la couverture. On va voir la petite, les équipements. Il y a pas de chat, en tout cas, ça, c'est sûr. Chat. Ils m'ont vraiment retiré le chat. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Alors, donc dans cet équipement, on a une selle de voltige qui est moins belle, je trouve. Elle est dégueulasse. J'arrive pas à faire le focus, donc bah tant pis. Pas de focus. J'aime pas. Ah, le blanc sur blanc, bravo. Ça, c'est tout ce qui va avec, tous les équipements. Et. Oh non, j'ai cru qu'il y avait le chat dedans. C'était les boutons. Et une couverture pour mettre sur le cheval. C'est presque stylé. Oh mais attends, mais moi je suis dégoûtée, ils m'ont retiré le chat. Je regarde, genre peut-être que je l'ai mis à côté, mais même pas, il n'y a pas le chat. Il est pas là. Alors ensuite, encore... Alors, attendez, je vais vous faire un commentaire que j'ai fait la dernière fois que j'ai ouvert un truc. Vas-y. Tout est mis dans des petits emballages en plastique individuel. Vous vous rendez compte du gaspillage de plastique? La planète. Oh. Oui, la planète. Les tortues. Tortue, tortue, tortue. Quoi? C'est trop beau une tortue. Les tortues, c'est super mignon. Comparé au pack d'avant, il n'y a pas d'ouverture facile. Alors sur l'autre, sur le petit bonhomme, il y avait une ouverture facile. Alors ok, et aussi le petit bonhomme, déjà qui est entouré dans tout un paquet de plastique, a du plastique au pied. Mais la planète. Par contre, il tient le bout. Et oui, bah heureusement. Je trouve ça trop chelou au niveau du caleçon. Oui, ça fait très moche. C'est très bizarre. Et la voltigeuse est là. Non, alors elle, on dirait une fée clochette. Oh, mais de fou, on dirait une fée dans la fée clochette.
Et enfin, en dernier, le plus intéressant, le Kianasson. Oh, il est beau. Lui, il a des... Il est beau gosse. Les taches, c'est immonde. On va imiter les youtubeurs schlécheurs. Je trouve que les points sont beaucoup trop gros et pas assez proportionnels par rapport au... Arrête, il est beau. Ridicule. De plus, je suis sûr qu'il y a des pètes au niveau du nez ou bien sur les bandes. Enfin... Alors, sachez que je suis d'accord avec tout ce que Cass a dit. Il a des points trois fois trop gros. Par contre, il a aucun pète au nez. Ah. Aucun pète nulle part. Les sabots sont bien peints. Ah non, j'ai rien dit. Les sabots sont mal peints. Voilà. Ça, c'est un gros problème à chaque fois. Et il a une tache noire au milieu de l'encolure. Non, mais franchement, Slash France, va falloir se réveiller un moment. On vit pas dans des mondes de Barbie. Ouais. Désolé. Moi, j'aimais ça quand il y avait le directement genre peint dessus. Le bonnet et les guêtres. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je l'ai repeigné par-dessus. Oh, ça rendait très mal. Non, mais attendez, regarde. Ok, attendez, c'est le moment de me plaindre. Attendez, c'est le moment de la vidéo où je vais me plaindre. Vous voyez cet élastique, les gens qui vont acheter ce pack, cet élastique, il peut pas s'accrocher là parce que le cheval il tourne la tête et ça a pas été fait sur lui. Attendez, ça c'est une autre question que je me pose, c'est que comment elle s'accroche. Regardez, je vous montre pas à vous, je monte à la caméra. Vous voyez les petits élastiques là, comment ils sont tournés. Est-ce que vous voyez comment les mains de cette personne sont tournées? Elle peut pas s'accrocher aux deux. Bah, oh non, mais ça c'est aussi décroché ce truc là. Bon, oh, écoutez, le cheval il est très bien éduqué, il tourne très bien en liberté. Je te jure, leur cavalier me fait peur. Si, Nala. Elle est glauque. Quoi? Pourquoi? Moi quoi? J'ai entendu un prénom, mais je comprends pas. Ouais, t'inquiète. Bon, voilà, le pack a été ouvert. Par contre, je cherche toujours le chat. Oui, bah y en a pas, ils l'ont pas mis. Ils ont pas mis le chat, jeune. Slash France, si vous voyez cette vidéo, renvoyez-moi le chat, j'ai pas de chat, je suis dégoûtée. Ok, donc écoutez-moi. Donc mon avis sur ce pack, déjà, il est vraiment nul. Je trouve qu'il fait pas son prix. Je crois que ça doit coûter 25 euros, 30 euros peut-être. Ouais, 30. Payer 30 euros pour avoir un cheval et une demi-cavalière, parce que pour moi c'est pas une cavalière, vu sa position, etc. Qui pourra même pas faire de la voltige, puisqu'elle peut pas s'accrocher correctement aux anneaux pour faire des trucs de voltige. Ce gars-là qui... Bah, encore une fois, je l'utiliserai jamais pour prendre des photos parce que vous voyez ce truc-là, là, avec les jambes, bah, c'est dégueulasse, c'est pas beau pour les photos, ça va me servir à rien. Le cheval, il est beau, mais payer 30 euros pour un seul cheval, ça, bah, c'est pas très intéressant, hein. Donc voilà. Vos avis en tant que non-schleffeur, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous dites, ah, ça a l'air cool, je vais l'acheter? Non, pas pour 30 balles. Et donc moi je déconseille parce que bah ça vaut pas le prix que c'est, ça vaut le prix que c'est et les élastiques qui tiennent pas, ça me... En plus ils oublient un truc dans le pack, le chat quand même. Il a une tache noire au milieu de son encolure, c'est une tache de peinture de la crinière, donc bah c'est pas ouf. Mais... Il est beau. Mais il est cher. Pour une douille pareille, 30 euros, moi je vais acheter, je sais pas. 30 euros, vous n'aurez pas la référence, mais 30 euros, vous trouvez des brayeurs qui valent largement mieux que ça. Et... Elle fait une vidéo slash et elle promo d'autres marques. Bah oui, non, monsieur, j'aime pas trop ce qui sort de slash récemment.